Vrai, cette dimension nocturne dans mon activité, puisque désormais je me situe dans le domaine du nocturne, après avoir un petit peu hésité. Le nocturne, c'est le Shabbat quand on salue les premières étoiles qui arrivent dans le ciel. C'est la nuit qu'on voit le ciel, et c'est le ciel qui est porteur d'un message. C'est pas le jour. Non, le jour efface le message nocturne, efface le message planétaire, efface le message stellaire. Alors, la dimension lunaire, si on peut dire, la dimension nocturne, dans mon travail, c'est de faire apparaître des pièces manquantes, des pièces oubliées, des pièces ignorées. Et c'est ça la dimension nocturne. Et d'autre part, la nuit, il y a des choses qui s'estompent, qui disparaissent, qui sont gommées, qui sont abolies. Par exemple, le passage du féminin au masculin passe par une sorte de silence des mots, du silence des lettres qu'on ne prononce pas au masculin et qu'on prononce au féminin. Donc, la nuit, c'est aussi le fait de faire la part du silence, la part de l'absence. Dans le domaine des travaux sur Nostradamus, par exemple, j'ai mis l'accent sur des éditions manquantes, des éditions qu'on n'avait pas retrouvées, mais dont on peut percevoir l'existence. Et justement, c'est ça la différence. Il y a ceux qui ne sont pas capables de percevoir l'existence de quelque chose, qui ne perçoivent que ce qu'il leur est donné à voir. Et ça, là, la faiblesse de leur travail. Dans beaucoup de domaines, c'est pareil. Dans beaucoup de dossiers, dans tous les domaines, notamment juridiques, récemment, je l'ai montré. Il y a des pièces manquantes, des pièces qu'on n'a pas su imaginer, qu'on n'a pas su penser, qu'on n'a pas su retrouver. Et ça fait que le dossier juridique s'écroule complètement, s'effondre complètement, parce qu'il y a des pièces absolument essentielles qui ont été négligées, oubliées, qu'on a manquées. Dans le domaine de l'astrologie, c'est pareil. Croire que tout ce qui est à voir est forcément utilisable en astrologie, c'est une erreur majeure. J'ai montré justement, c'est la phase nocturne, qu'il y a des choses qui doivent s'effacer, qui doivent s'estomper, et qu'il n'y a que certaines choses qui doivent être conservées. Et la nuit, elle ne fait que conserver certaines choses par rapport au jour. La nuit, elle est sélective, elle est réductrice.